Madame, Messieurs, bonsoir. L'édition du débrief de ce mercredi 17 août 2022 commence avec quelques minutes de retard pour des raisons d'ordre technique, des raisons qui ne sont pas dépendantes de notre volonté, quelques petits loupés au démarrage. Mais ce n'est pas grave, le débrief commence ce mercredi. Vous le savez, c'est votre quotidienne qui passe en revue l'actualité brûlante, l'actualité de la veille ou de la journée. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser au bruit. Le préfet du département du Mfundi vient d'entamer une croisade contre les nuisances sonores plus tôt dans la journée. Emmanuel Djigden s'est entretenu avec les présidents de syndicats et d'associations de tenanciers de débit de boissons et autres établissements de loisirs. Il les appelle à se conformer à la réglementation en vigueur dès ce soir, faute de quoi ils s'exposent à des sanctions qui iront jusqu'à la fermeture définitive de leurs établissements. Et pour commenter cette actualité, nous recevons sur ce plateau trois panélistes. Nous allons commencer par l'un d'entre eux. Il était l'intermédiaire de l'autorité administrative un peu plus tôt cette matinée. Son nom, c'est Roger Tapa, très connu du public. Roger Tapa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Janice. C'est en votre qualité de président du syndicat national des exploitants des débits de boissons que vous êtes sur ce plateau. Vous nous direz comment vous avez accueilli ces mesures du préfet du département du Mfundi. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Nous recevons juste à vos côtés un apôtre. Notre second invité est un apôtre. Il est également au banc des accusés en matière de nuisances sonores. Il s'agit de l'apôtre Paul Keng. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Janice. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs et bonsoir à nos panélistes. Je suis peut-être inclus globalement, mais je ne pense pas que je fais un bruit qui soit hors de normes, hein, il faut le dire comme ça, mais nous sommes là pour une bonne cause. Encore une fois de plus, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous êtes apôtre pour l'Église du Réveil des Nations, c'est bien cela? Les églises réveillent, bien entendu, au Cameroun. Bon, je suis là, je parlerai au nom de ces églises. Permettez. Et notre troisième panéliste est bien connu de vos écrans. Il s'agit de Patrick Ondondon, devrais-je dire Sa Majesté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame Iskamga. Bonsoir, Roger Tapa, qui est un ami de grande, de longue date. De longue date. C'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve également. Et également, monsieur Paul Kahn, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de partager. C'est donc toujours avec un grand plaisir que l'on se retrouve, n'est-ce pas, ici sur votre plateau. Vous allez porter les éléments de langage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, 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 c'est-à-dire que je ne suis pas procureur comme eux sont au banc des accusés. Je ne suis pas procureur, je veux parler pour le parti, mais je veux parler en réalité pour la société. Pour la société, parce que les intérêts sont divergents. C'est-à-dire que c'est des ambiguïtés économiques que nous vivons et parce que c'est la modernité qui nous l'impose. On a besoin, n'est-ce pas, de développement, on a besoin de calme aussi. C'est-à-dire que les populations, en même temps que les populations ont besoin de s'égayer, en même temps les populations ont de temps en temps besoin, n'est-ce pas, de prendre un pot de boire, et en même temps les populations ont besoin d'écouter de la musique. En même temps, n'est-ce pas, les populations ont besoin d'écouter l'Église. En même temps, les populations ont besoin de temps en temps du calme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette attitude du préfet du département du Mfundi. Emmanuel Djigden était face à la presse ce jour, mais surtout face aux représentants des syndicats de tenanciers d'établissements de loisirs. Il dressait alors un état des lieux de la situation des nuisances sonores dans la cité capitale. Regardons ceci. On se retrouve juste après. Les heures de fermeture doivent être respectées et on doit également respecter le voisinage. Les bruits, nuisances sonores, de jour comme de nuit, les tapages et autres, le respect des moindres mesures d'hygiène et de salubrité. Nous avons des débits de boissons qui manquent même de toilettes au point où les clients se soulagent dans la nature. Nous avons donc demandé à tous les tenanciers, 1. D'avoir déjà des toilettes, 2. De respecter les heures de fermeture, de se mettre en règle.
ceux qui doivent évoluer jusqu'à 6 heures, ce qu'on appelle généralement les boîtes de nuit, doivent obtenir l'autorisation du ministère du Tourisme. Il y a aussi les mesures de sécurité. Vous avez des établissements qui n'ont pas d'issue de secours et il peut arriver des incidents à l'intérieur. Merci à Karel Mezatia et Constant Kamga, grâce à qui nous avons pu avoir cet élément. Retour sur ce plateau avec nos invités. On se tourne directement vers Roger Tapa, le président des syndicats des tenanciers de débit de boissons. Une sortie quand même jugée sévère par les interlocuteurs du préfet cet après-midi. Mais oui, c'est vrai, cette sortie, n'est-ce pas, pour moi, n'est-ce pas une connotation peut-être seulement des sanctions. Et c'est ce que nous désapprouvons. Nous sommes conscients que dans nos rangs, il y a des brebis galeuses, des gens qui ne se conforment pas peut-être à la loi. Mais tout au moins, nous pensions qu'avant d'y arriver à la sanction, il fallait tout au moins d'abord sensibiliser. Parce que vous savez, on a toujours comme impression que l'État, n'est-ce pas, fuit ses responsabilités. Parce que l'État a aussi ce devoir régalien, n'est-ce pas, de sensibiliser d'abord, d'éduquer même les masses. Quand on parle du respect peut-être de la réglementation en vigueur, il faut même déjà que celui qui est en face, que les populations soient au courant, n'est-ce pas, peut-être de cette loi, de cette réglementation. Et pour être, c'est pourquoi peut-être quand une loi est votée à l'Assemblée, cette loi passe par la promulgation. Après la promulgation, il faut que cette loi, n'est-ce pas, soit divulguée pour que les populations ne prennent acte. Mais en l'espèce, on vient un matin, on convoque peut-être une réunion, on dit que ceux qui ne respectent pas peut-être la réglementation en vigueur, n'est-ce pas, seront censés. Ça va commencer à partir de ce soir. C'est ce que nous déplorons. C'est une bonne initiative, mais on devait donner un peu de temps, n'est-ce pas, aux exploitants à débit de boissons pour se préparer, pour comprendre même et sensibiliser. On ne peut pas commencer seulement peut-être par la sanction. On devait commencer par la carotte, c'est-à-dire sensibiliser, éduquer, les faire comprendre. Parce qu'il y a certains, n'est-ce pas, qui croient qu'à partir du moment où peut-être ils ont leur établissement, ils ont tout permis, ils peuvent tout faire. Ils ne tiennent pas compte peut-être de cette usance-là, ils ne tiennent pas compte des encombrements, même peut-être de la chaussée. C'est l'État qui doit les amener à comprendre. Et c'est si, au bout d'un certain moment, ils ne veulent pas comprendre, l'État, n'est-ce pas, doit prendre son bâton. Pas directement commencer peut-être par ces bâtons, il fallait d'abord passer par cette étape, c'est ce que nous déplorons. Cette étape d'éducation-là, vous avez l'impression que cette sortie d'Emmanuel Duquin tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que vous êtes ignorant de la réglementation en la matière, de l'arsenal juridique qui encadre l'activité d'exploitation des débits de boissons au Cameroun. Non, vous savez, l'activité des débits de boissons au Cameroun, n'est-ce pas, est régie par les lois de 90. Aujourd'hui, je vais vous dire que ces lois me sont devenues obsolètes. Et les dans quelle mesure? Dans la mesure où ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que ces lois existent. Il y a des évolutions. Quand vous entrez peut-être dans cette loi, on ne vous parle pas peut-être des snack bars. On ne vous parle pas peut-être des boîtes de nuit. Or, c'est ce qui, avec la modernisation, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, cette loi parle seulement peut-être des débits de boissons. N'est-ce pas? Il y a quatre catégories, n'est-ce pas, que cette loi ressort. Mais avec l'évolution, on a peut-être des cafés, on a des boîtes de nuit qui sont aussi des débits de boissons. Mais cette loi, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'en fait pas allusion. Mais ils ne font pas autant de bruit que les débits de boissons. Et je voulais vous signaler que quand même, il y a un arsenal juridique qui est composé de lois, trois lois en l'occurrence, et réglementaire, le décret du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives. C'est dire même que l'activité s'étend, les nuisances s'étendent au plan olfactif. Peut-être les restaurateurs sont également pointés du doigt. Mais je vais d'abord attirer votre attention sur un fait. Oui. Vous parlez des lois. Vous parlez du respect peut-être de la réglementation en vigueur. Mais la première, les premières, n'est-ce pas, personnes peut-être qui ne respectent pas peut-être ces lois, c'est d'abord peut-être l'administration. Comment pouvez-vous vous imaginer que l'administration qui est chargée, n'est-ce pas, de l'encadrement peut-être de ce secteur d'activité, on va, n'est-ce pas, peut-être sur 100 mètres carrés, on donne peut-être 50 autorisations d'ouverture des bars. À quoi vous attendez? C'est un manque de respect d'abord peut-être pour l'administration d'abord. Parce que pour donner peut-être, pour que, n'est-ce pas, octroyer peut-être une licence à un exploitant de débit de boisson ou quelqu'un qui veut exploiter peut-être un débit de boisson, il faut tenir compte, n'est-ce pas, peut-être de l'environnement, il faut tenir compte, n'est-ce pas, des bars qui existaient déjà. Mais vous voyez peut-être dans une seule maison,
il y a, n'est-ce pas, peut-être 5 débits de boissons. Mais ils ont des autorisations. Qui délivre ces autorisations? C'est l'administration. Je suis désolé. On y reviendra. Le temps pour nous de nous tourner vers les églises de réveil. Ici, celui qui porte leur parole, c'est l'apôtre Paul Keng. Vous êtes également à la tête d'une église de réveil, l'église du réveil des nations. J'imagine que vous avez eu plusieurs fois à rencontrer des voisins qui se plaignent des nuisances sonores, notamment dans le cadre des veillées de prière. Vous qui venez du Canada où la réglementation est très stricte en matière de pollution sonore, vous devriez vous retrouver comme un poisson dans l'eau. Bon, écoutez, c'est un phénomène parfois qui est très nuisant parce que ce qu'ils font, parfois n'ont pas pris conscience du gêne qu'ils causent aux autres. Et je vais dans le sens où le président Tamba tout à l'heure parlait de l'éducation qui est nécessaire aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet commun où on a besoin qu'il y ait quand même une éducation sociétale pour amener aux uns et aux autres à comprendre parfois le malaise qu'on peut causer aux autres. Et puis, moi, j'ai connu ça à une époque quand j'étais ici au Cameroun. Et on aime... Vous savez, le son, parfois, il est agréable. Il peut aussi être très nuisant quand on ne sait pas que quelqu'un autour de nous est en train d'être gêné. Et j'étais parfois interpellé. Je me souviens, l'église que nous avons à Tinga, monté palais de congrès, j'avais un bon voisin, c'était le maire, mon ami à Samba, et qui venait tout le temps me dire « Écoute, Paul, je ne dors pas. » Et j'étais obligé de baisser le son. Et la nuit, on pense parfois qu'on le fait et que quelqu'un autour de nous n'est pas concerné. Il faudrait penser que, je parle aujourd'hui également à tous les hommes de Dieu, ces mesures sont importantes pour nous. On devrait s'aligner dans l'ordre. Mais malheureusement, qu'on ait quand même autour de nous des gens qui se comportent comme si c'était les seuls à exister et que le son a été pour eux la seule chose. On peut parler posément et se faire comprendre et se faire entendre par les gens qui sont autour de nous. Donc aujourd'hui, la mesure, oui, je dis, elle est bonne, mais quelque part, je parlais sur une interpellation où on ne va pas faire une mesure exceptionnelle pour les autres, et il faudrait qu'elle soit commune pour tout le monde. Je prends l'exemple un peu, nous sommes à Tinga, où aujourd'hui nous avons nos voisins, nos frères, la mosquée en face, où tous les 5 heures, par exemple, on vous réveille d'un son poignant. Vous ne pouvez pas dormir. Écoutez, on ne parle pas de ça, mais on va dire les églises de réveil. Je dis non, une mesure commune pour tout le monde. Donc aujourd'hui... C'est-à-dire pour toutes les obédiences? Toutes les obédiences. En tout cas, il faudrait qu'aujourd'hui... Toutes les religions. Qu'on dise à toutes les religions que voilà, il faudrait que ce soit amélioré pour tous. Parce que vous n'allez pas dire aux autres, baisser le son, oui, on le baisse, et que les autres à côté, à 5 heures, on ne dorme pas. Mais là, il s'agit bien d'un bruit ponctuel, d'un appel à la prière qui ne s'étend pas sur des heures. Dans le cas des veillées de prière, par exemple, il faut dire que c'est toute la nuit que... Absolument, voilà, c'est pourquoi je parle un peu de l'éducation. Est-ce que comparaison est raison dans comparaison, ce cas? Oui, parce que ça reste un bruit, une nuisance sonore un peu. Il s'agit de simplement un jeûne qui est causé par un bruit qui peut nuire à autrui à cause de simplement l'élévation sur le son qui est nuisible. Écoutez, moi je vous dis, venez à Tinga, écoute, je passe parfois des nuits là, à 5 heures, dès 4 heures, il y a un son qui vous réveille. Et c'est nuisible pour tout le monde. Et c'est pas simplement un son, mais il est nuisible, hein, je veux dire. Pour vous. Pour tout le monde. Peut-être, on espère que c'est pas la raison pour laquelle vous faites des battles. Non, on parle de la nuisance sur le plan du son. Et je dis, les bars, oui, les églises qui font trop de bruit, oui, également pour tous ceux-là qui sont concernés. Il faut bien que la règle soit pas pour certains et pas pour les autres. Mais dites-nous, Patrick, comment vous accueillez cette... énième, on a envie de dire, sortie du préfet du département du Fundi. Est-ce que ce n'est pas un autre coup d'épée dans l'eau lorsqu'on sait que des sorties comme celle-là, généralement, font beaucoup de bruit, mais ne s'étendent pas forcément sur la durée, ne sont pas des mesures durables? Non, je crois que la sortie de monsieur le préfet est une sortie salutaire. C'est une sortie qui vient à juste titre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire. Et les vacances sont presque terminées.
au moment où les enfants vont reprendre, n'est-ce pas, le chemin des classes, c'est tout à fait normal que dans les quartiers, là où on assistait beaucoup à la nuisance sonore, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir plus de calme. Et en réalité, la nuisance sonore ne reste pas au niveau simplement, n'est-ce pas, les conséquences ne sont pas seulement au niveau du bruit, comme on dit auditif. Souvent. Oui, le préfet l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de responsables du débit de boisson, et heureusement que M. Roger Tapa l'a dit tout à l'heure, il y a des responsables du débit de boisson qui ne sont pas toujours responsables, qui ne prévoient pas des toilettes publiques, qui ne prévoient pas un certain nombre de dispositions. Dispositifs de sécurité. Et dans ces conditions, les gens sont obligés, n'est-ce pas, après avoir pollué, n'est-ce pas, l'air, c'est-à-dire après avoir pollué l'assistance, il faut maintenant polluer le sol, parce qu'en pissant partout, l'hygiène et la salubrité sont généralement... En plus de la pollution de l'air, de la pollution sonore, il y a donc cette pollution, n'est-ce pas, liée, n'est-ce pas, au sol, qui va peut-être rejoindre la nappe phréatique. Donc, c'est autant de choses. Et puis, je crois que les débits de boissons sont catégorisés. Et c'est tout à fait normal qu'il faut respecter les différentes catégories. Les boîtes de nuit qui vont peut-être de 22h jusqu'à 6h du matin doivent effectivement avoir l'autorisation, comme le préfet le dit. Et les autres débits de boissons qui vont jusqu'à 18h. Les snack bars qui vont jusqu'à 18h, jusqu'à 22h et jusqu'à une certaine heure. Je crois qu'il faut respecter la réglementation. La réglementation, en fait, lorsque M. Roger Tapa, qui a parlé de promulgation tout à l'heure, la promulgation, c'est effectivement l'acte de rendre publique une loi et en ordonner l'application. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi est déjà rendue publique, la loi doit être applicable. Vous comprenez? Donc, peut-être que les responsables, il est le président, il doit peut-être s'entourer d'un service juridique pour permettre, n'est-ce pas, aux exploitants de bien faire le travail, parce que beaucoup le font peut-être par ignorance. Je crois que c'est beaucoup plus peut-être par ignorance. Mais il faut que les gens soient... connaissent, n'est-ce pas, l'étendue, n'est-ce pas, des lois, l'étendue des sanctions qui peuvent peser sur eux en cas, n'est-ce pas, d'infraction. Maintenant, en ce qui concerne M. Polquin, bon, c'est déjà bien de faire ce mea culpa, de reconnaître, c'est vraiment à votre actif, de reconnaître qu'il y a des responsables d'église qui, par exagération ou par zèle, arrivent, n'est-ce pas, à faire une nuisance sonore assez intempestive, au point où le voisinage est obligé de se plaindre. Mais également, vous devez, effectivement, lorsque vous avez fait appel, ou vous avez indiqué ou choisi de toucher une autre religion qui fait aussi le bruit le matin. Non, je crois que les musulmans, ils ont cinq actes de prière. C'est un acte de prière dans le jour. Et je crois que ce n'est pas que je prends leur défense, mais je crois qu'il faut peut-être respecter. Vous pensez qu'il faut être plus tolérant avec cette religion-là et plus dur avec les églises de réveil? Non, je dis qu'ils ont cinq actes de prière chaque jour, que c'est de manière universelle. Maintenant, il faut peut-être de la part, n'est-ce pas, des églises de réveil, beaucoup plus, n'est-ce pas, un programme, un agenda peut-être fixe. Aussi fixe, parce que vous voyez, on ne se plaint pas des catholiques, on ne se plaint pas des protestants, mais c'est beaucoup plus les églises de réveil qui ont une certaine proximité dans les quartiers. Vous comprenez que, et dans les quartiers, les populations, c'est vrai. On veut tous écouter la parole de Dieu, mais de temps en temps, pas dans le désordre. Il faut, n'est-ce pas, un temps pour toute chose. Donc je crois qu'il faut respecter le voisinage et il faut respecter, n'est-ce pas, les autres religions. Roger Tapa, nous sommes encore quand même en période de vacances. C'est l'occasion pour nous de questionner le timing, l'opportunité d'une telle sortie à 2 semaines et demie de la rentrée scolaire. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être attaquer le mal à la source, à savoir l'implantation même de ces établissements de loisirs qui sont parfois près des écoles, au vu au sud de tous, en impunité, que d'attaquer le mal peut-être par l'autre bout? Dans mon propos liminaire, j'ai fait allusion, n'est-ce pas, au respect. Parce que quand on parle de respect de la réglementation en vigueur, la première personne à respecter, c'est d'abord peut-être la personne qui représente l'administration. Parce que, comme je disais,
La loi de 90 dit pour qu'il y ait, pour ouvrir un bar, il doit avoir des distances, n'est-ce pas, par rapport peut-être aux établissements scolaires, par rapport peut-être aux hospices. Et n'est-ce pas, pour matérialiser, n'est-ce pas, ce schéma, la loi, n'est-ce pas, avait prévu qu'il y ait, n'est-ce pas, un plan pour obtenir des autorisations, que le cadastre devait descendre sur le terrain, faire un plan, et ce plan devait entrer, n'est-ce pas, dans le dossier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se met dans les bureaux, on donne, on offre, parce que ça c'est même, on offre, n'est-ce pas, aux gens des licences, on ne tient pas compte, n'est-ce pas, peut-être de tous ces aléas. C'est-à-dire qu'un sous-préfet vous donne une licence, il ne vous a jamais vu, il ne vous demande pas peut-être le plan peut-être cadastral pour se situer par rapport aux hospices, par rapport, n'est-ce pas, peut-être aux hôpitaux, par rapport à tout un certain, n'est-ce pas, certains éléments, il vous donne peut-être une licence. Et quelques temps après, une autre personne vient dans la même maison, je dis dans le même immeuble, il redonne encore peut-être à deux, trois personnes. Vous attendez à quoi? C'est d'abord l'État peut-être qui ne respecte pas peut-être ses responsabilités. Et c'est ça qui attire, n'est-ce pas, c'est ça qui entraîne peut-être ce désordre. Donc si, moi je crois que c'est d'abord l'État qui devait faire le timing, qui devait respecter ses propres lois, avant, n'est-ce pas, d'aller vers, n'est-ce pas, les citoyens, parce que n'oubliez pas que le devoir régalien peut-être l'État, au-delà, n'est-ce pas, de ce que disait tout à l'heure mon copain, l'État a ce devoir régalien d'éduquer les masses. Nous sommes dans un pays où, même dans ce secteur d'activité, il y a au moins 80%, nous sommes au moins 80% peut-être des personnes peut-être qui font de l'activité de débit de poissons, sont agricoles, ils n'ont pas fréquenté. Que vous le voulez ou pas, ils se débrouillent. Ils ne cherchent même pas à savoir. Et l'État ne leur demande même pas, peut-être, ne les oblige pas à savoir peut-être quelles sont, peut-être, quelle est la réglementation, qu'est-ce qu'ils doivent respecter, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas. Si l'État prenait peut-être sur lui, de demander peut-être aux gens de s'efforcer peut-être à connaître peut-être la réglementation en vigueur dans ce secteur d'activité, je crois qu'il devait avoir moins peut-être des débits de boissons. Et hier encore, qu'est-ce qui s'est passé? Pour n'est-ce pas, avoir un débit de boissons, il y avait ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, il faut que je vous dise que je le crois. Il y a des personnes véreuses. Il y a des personnes qui ont été condamnées pénalement et qui se retrouvent aujourd'hui peut-être patron de débit de boissons. Mais vous croyez que quelqu'un comme celui-là, mais il ne va pas respecter peut-être la réglementation en vigueur. Il va seulement attendre peut-être ce qu'on envoie peut-être sur le terrain pour dire que pour faire des contrôles, peut-être pour monnaie, c'est encore peut-être un autre fléau peut-être qui se crée comme ça, c'est-à-dire la corruption. Oui. Donc moi je crois que le problème qui se pose, c'est un problème plus grand que ce qu'on veut nous faire croire, peut-être qu'on a failli nous faire croire. Vous pensez, une minute, on a bien compris, il faut peut-être un travail d'éducation et peut-être une vue globale pour la résolution de la question des nuisances sonores et pas résoudre le problème par perfusion, mais qu'est-ce qui vous empêche en l'État d'appliquer la loi? La loi est certes dure, mais c'est la loi. Qu'est-ce qui vous empêche de l'appliquer maintenant? Ce sont ceux-mêmes qui sont chargés, n'est-ce pas, de faire la police des débits de poissons. Ce sont ceux qui empêchent que cette loi ça soit appliquée. Comment? Parce que, mais quand on envoie les gens sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce soir? Mais il y aura des patrouilles. Il y a des cas quand ils viennent se mettre dans la voiture, comme ça, on sait ce qui se passe. Le gérant va sortir, il va avec, n'est-ce pas, quelque chose peut-être dans sa main, il va aller lui donner, il va passer, il va continuer. En principe, qu'est-ce qui se passe quand ils descendent? Ils descendent, on sait que chaque jour, on sait ce qui... Tout même l'administration, même monsieur le professeur, c'est ce qui se passe. Parce que quand ils vont envoyer les gens sur le terrain, un d'abord, ceux qui descendent sur le terrain, ceux-là, ils viennent, ils connaissent déjà peut-être tous ces débits de poissons. Ils ont des relations avec ces débits de poissons. Ce qui fait que quand on envoie peut-être un commissaire de police de ce... d'arrondissement. Quand il descend sur terre, il connaît déjà peut-être le gérant. Il connaît que ce bar s'y ferme peut-être à telle heure. Il a ses pratiques peut-être dans ce bar. Vous croyez que celui-là, il sera même plutôt contre celui qui respecte la réglementation en vigueur? Suivez mon regard. Pourtant, si on avait mis sur pied peut-être un comité, ou peut-être même peut-être les syndicats, les associations, peut-être dans ce comité, on descend sur le terrain, on constate. Quand on est là, constaté peut-être que tu ne respectes pas la réglementation en vigueur, on fait un procès verbal où tout le monde signe et on envoie peut-être chez le préfet et le préfet prend la sanction peut-être qui s'impose. Mais tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie peut-être les commandants, les brigades qui sont à côté, les commissariats qui sont à côté, qui ont leurs us et coutumes peut-être avec les détenteurs de ces débits de boissons et puis la suite.
Patrick, oui. Les allégations de Roger Tapa sont certes graves, mais elles sont quand même fondées puisqu'il y a des patrouilles de gendarmerie généralement qui font la ronde la nuit. D'où vient-il qu'au-delà des heures recommandées, minuit pour les snacks et 6 heures pour les boîtes de nuit, ce soit encore ouvert? S'il n'y a pas un fond de vrai dans ce qu'il dit, et également tout cela saupoudré par des pratiques de corruption qui ne seraient pas des pratiques très floues. Non, je crois que les pratiques de corruption ou de non-respect d'un certain nombre de choses sont des pratiques qu'il faut dénoncer. Mmh. C'est des pratiques qu'il faut dénoncer. Je crois que l'association qu'il représente devrait, n'est-ce pas, travailler en étroite collaboration avec ceux qui viennent, n'est-ce pas, faire les contrôles, parce que sur le plan interne, vous êtes responsable d'une superstructure. Sur le plan national, vous devez prendre des dispositions pour que vos membres n'en souffrent pas. Mmh. Pourquoi ? Parce que vous avez évoqué le fait qu'on donne des autorisations, c'est vrai. Il faut juste se rappeler que la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, à son article 1er, je crois, donne, n'est-ce pas, il y a la liberté d'entreprise. Tout Camerounais qui voudrait entreprendre une activité commerciale, n'est-ce pas, est libre de le faire, sous certaines conditions. Alors, dès lors que la loi a ouvert la possibilité à tout Camerounais, n'est-ce pas, d'entreprendre n'importe quelle activité commerciale, n'importe quelle entreprise commerciale ou une unité de production, je crois que à ce moment-là, lorsque vous venez, ceux qui ont l'habitude de travailler dans le corps qui est le vôtre peuvent faire en sorte que certaines conditions, n'est-ce pas, soient respectées, notamment la proximité et beaucoup plus, n'est-ce pas, le respect de certaines conventions avec la loi, je crois que c'est à bon droit de le faire. Il ne faut, parce que lorsque vous êtes responsable, les gens comme ça, vous devez travailler, n'est-ce pas, en synergie avec l'administration qui vous facilite, qui vous a facilité les autorisations, qui vous a facilité le travail économique. Donc, vous ne devez pas travailler en opposition et en méfiance ou en défiance, n'est-ce pas, avec l'administration. Vous devez travailler en bonne intelligence. De même, chez ceux qui sont responsables des églises, de nouvelles églises ou des églises au réveil, il faut travailler toujours, n'est-ce pas, en bonne intelligence avec l'administration qui veille à la sécurité, n'est-ce pas, des populations. En réalité, l'administration doit veiller à la sécurité et de votre entreprise économique, parce que tout le monde aimerait, n'est-ce pas, être dans une société où il y a, n'est-ce pas, où sur le plan économique, les populations sont bien, où chacun, n'est-ce pas, peut avoir ce qu'il veut lorsqu'il a pu entreprendre. Et tout le monde veut être dans une société où il y a la sécurité. Les populations doivent être dans une société où il y a la sécurité. Et ceux qui font, n'est-ce pas, l'entreprise commerciale doivent également être dans une société où ils peuvent gagner des bénéfices. Mais il faut gagner ça honnêtement et ne pas laisser prospérer les cas de corruption, parce que nous sommes dans une société terrible. Je crois qu'il appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde de ne pas laisser, n'est-ce pas, la corruption prendre le lit, quel que soit, n'est-ce pas, l'endroit, quel que soit le métier que nous occupons. C'est un discours qui revient à chaque fois, un peu comme une tarte, mais sur le terrain, l'un des acteurs principaux décrit une situation. Oui, c'est pour cela qu'il faut être de plus en plus vigilant, parce que sur le terrain, lorsqu'on laisse, n'est-ce pas, prospérer ce genre de choses, on ne peut plus se rattraper. C'est pour cela que la vigilance, c'est de tous les côtés, aussi bien du côté de l'administration, aussi bien du côté des forces de l'ordre, aussi bien du côté de l'administration. Nous aurions aimé avoir un expert en question de tourisme pour lui poser la question qui suit. C'est vrai, on a invité David Eboutou, auteur de l'ouvrage intitulé « La politique institutionnelle du tourisme au Cameroun de 1960 à 2010 », qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir. Mais je vous pose la question à vous, Paul Kain. Est-ce que cette décision n'est pas contre-productive? Je m'explique. On connaît les capitales africaines pour leur bruit, des capitales qualifiées de chaudes. Elles sont populaires de par l'ambiance qui y règne. Est-ce que cette décision-là n'est pas contre-productive sur le plan du tourisme? Merci encore, Janice. Je dirais que cette décision est bonne, de prime abord. Maintenant, il faut voir un peu le contexte également culturel qui est le nôtre. Nous sommes des pays où les gens aiment avoir du bruit tout autour. Oui. Et je considère également qu'il y a
aujourd'hui, avoir l'angle où le bon voisinage est capital. Surtout, je parlerai aux jeunes serviteurs de Dieu et même aux aînés. Écoutez, j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de bruit et l'âge que nous avons, on a parcouru le monde entier. On peut dire, on peut conseiller. Aujourd'hui, le bruit n'est pas forcément ce qui amènerait les gens à vous écouter. Si les voisins autour, vous avez, en tant qu'église, vous avez le devoir de gagner également les gens tout autour de vous. Mmh. Et déjà, si votre voisin est mal à l'aise avec un bruit que vous faites, vous êtes en train de perdre une âme. Donc, il y a des choses aujourd'hui à reconsidérer dans la façon de faire pour l'approche que nous avons. On n'est pas là pour nuire aux personnes. Oui. On est là pour gagner des âmes et avoir un bon voisinage. Écoutez, j'ai vécu de telles expériences sans le savoir et j'ai pu apprendre qu'on peut, je l'ai dit tantôt, on peut parler sans faire trop de bruit et se faire comprendre. Oui, ça c'est votre astuce. Oui, justement, je viens donc, parce qu'il y, y a ce débat où on pense qu'aujourd'hui, parce qu'on parle fort ou on fait trop de bruit, que l'on se fait entendre. Je comprendrais que les bars, par exemple, il faudrait avoir un son qui attire. Donc il faut bien qu'il y ait un bar à côté, mon bar doit se faire connaître et se faire entendre également. Mais dans le contexte des églises où j'ai la responsabilité de porter au service de Dieu ce message, je dis, ces mesures sont bonnes et il faudrait que nous puissions régulariser notre façon de fonctionner. Mmh. Et cela nous aiderait énormément. C'est pourquoi je dis à tout un chacun de vous, serviteurs de Dieu, prenez ceci comme étant un message qui nous aiderait, que nous puissions entrer dans ce véhicule et donner le meilleur témoignage. Mmh. C'est ce que nous voulons représenter. Mais je reviendrai sur l'élément tout à l'heure que j'ai dit tantôt. On ne peut pas avoir une loi de mesure. Non. On parle de la nuisance sonore. Il s'agit des décibels élevés qu'on pourrait aujourd'hui donner à chacun des institutions ou encore d'avoir des mesures où on peut calculer les décibels qu'on émet. Je dis bien le son dès l'instant où il est nuisible à autrui. Il est un son qu'il faudrait régulariser pour que... Au Canada, par exemple, quelle est votre expérience quand vous étiez là-bas? Vous pouvez partager avec nous comment vous fonctionniez pour ne pas avoir affaire à la... Voilà, police. Déjà, il y a l'exigence qu'on peut insonoriser le lieu de culte. Oui. Et permettre que le voisin à côté ne soit pas nuit. Et plus, vous allez voir, c'est pas seulement les bars, même dans les domiciles où vous avez... Moi, j'ai eu des voisins où vous marchez au-dessus, hein, ils sont mécontents, ils appellent la police, on vient vous dire, monsieur... C'est de faire le bruit. Mmh. Donc, le bruit n'est pas seulement, ou une nuisance sonore n'est pas lié à avoir une église ou un bar. Ça peut être également un voisin qui ne comprend pas que vous avez des enfants qui s'amusent au-dessus du meuble. Donc, aujourd'hui, nous disons, on a une culture, et cette culture, il faut tenir compte également que nous, par rapport au bruit, c'est parfois un peu l'ambiance que nous aimons. Écoutez, au Canada, les gens n'aiment pas le bruit. Mmh. Faites un petit bruit un peu, si vous n'êtes pas entendu avec les voisins. Et il y a également question des heures à gérer. Donc, il y a de 7h à soit 22h jusqu'à 8h du matin. Non, de 7h, de 8h à, 22h, vous pouvez encore permettre de faire un bruit et avant cela, parlez aux voisins tout autour. Demandez la permission. Vous pouvez avoir votre barbecue et inviter les voisins également à célébrer avec vous. Donc, aujourd'hui, nous disons en Afrique, dans les villages, dans les quartiers aujourd'hui, on ferme les rues, les voisins sont contents de célébrer le deuil d'un voisin, écouter sa jeune personne. Mais, homme de Dieu, le message est passé. Mettons-nous aujourd'hui en marge de ces plaintes avec Patrick, les voisins. Patrick, je vous renvoie à la question. Est-ce que, après plus de deux années passées dans l'enfermement, dans les barrières restrictives de la COVID-19, cette mesure ne serait pas contre-positive, productive pour l'industrie du tourisme au Cameroun? Oui, disons que en réalité, le tourisme a subi beaucoup de coups, de contre-coups pendant la période du COVID. Et lorsqu'on sort de la période du COVID, de la COVID, on tombe, n'est-ce pas, sur les problèmes liés aux opérations militaires de la Russie en Ukraine. Mmh. Et le monde est en train de vivre encore une sorte de restriction, n'est-ce pas, sur le plan économique, parce que l'ensemble des mesures et sanctions qui sont prises contre la Russie impactent considérablement l'économie mondiale, impactent donc même également le tourisme. C'est vrai que nous ne sommes pas directement concernés, mais c'est lorsque quelque chose se passe par une puissance, par une très grande puissance économique, ça réjaillit directement sur nous. Est-ce que c'est parce que nous sommes restés pendant longtemps enfermés que dès lors qu'on ouvre le bouchon, tout doit sauter? Non, je crois qu'il y a de tout ça. Le monde sort de très loin.
C'est vrai que la COVID-19 n'est pas complètement finie, mais le danger, on pense que le danger est écarté. Et les habitudes que nous avions sont en train de reprendre le dessus. Est-ce que c'est de bonnes habitudes ou c'est pas de bonnes habitudes? Moi, je crois qu'il faut peut-être toute raison garder, respecter le voisinage. Tout à fait. Roger Tapava a décrit tout à l'heure des mesures qui sont déployées en mode perfusion. Est-ce que vous auriez peut-être un éventail de solutions durables peut-être à proposer à l'autorité administrative? Je vais tout d'abord revenir, n'est-ce pas, sur mes propos de tout à l'heure pour dire que nous aussi, en tant que peut-être association, syndicat, nous avons l'obligation aussi de sensibiliser peut-être nos membres. Tout à fait. Nous ne sommes pas là seulement peut-être pour défendre jusqu'aux personnes peut-être véreuses qui sont dans cette activité, parce que dans cette activité, il y a ces personnes-là. Et nous ne sommes pas là pour les défendre. Mais toutefois, les exploitants des puits de poissons n'ont pas seulement des devoirs, ils ont aussi des obligations. Et autant ils doivent respecter la réglementation en vigueur, autant même peut-être l'État ou ceux qui sont chargés de les encadrer doivent aussi respecter les droits des exploitants des puits de poissons. On a comme impression, comme disait, n'est-ce pas, peut-être tout à l'heure l'apôtre, que ce sont des mesures, n'est-ce pas, à tête chercheuse. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, les bars qui font des bruits dans ce pays. Vous voyez, il y a des discothèques un peu partout. Ils ont des baffles qui mettent le long des rues et qui font de la nuisance sonore. Ont été pointés du doigt par... Mais aujourd'hui, on a plutôt invité peut-être ceux qui concernent peut-être majoritairement peut-être les exploitants de débit de boissons. Ce sont eux qui ont été conviés peut-être à ces gens. Nous sommes allés même loin en son temps. Nous avons demandé, nous avons dit à l'État, nous avons écrit plusieurs fois à l'État pour dire que les lois de 90 sont déjà aujourd'hui sont obsolètes. Nous sommes prêts à nous mettre du côté de l'État pour assainir ce secteur d'activité parce qu'on en a besoin. Autant nous avons besoin peut-être de l'assainissement parce que nous sommes conscients que nous avons aussi, n'est-ce pas, des obligations vis-à-vis même de l'État. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, si on nous a donné peut-être des autorisations, des agréments peut-être pour encadrer ces secteurs d'activité, en tant que peut-être syndicat, nous avons, n'est-ce pas, des objectifs peut-être à atteindre, c'est-à-dire aider l'État peut-être à sensibiliser, éduquer peut-être ces populations. Mais qu'est-ce qui vous empêche au sein du syndicat, par exemple, d'organiser des séances d'éducation, de sensibilisation nous de vos membres déjà. Oui. Nous le faisons déjà. À quelle fréquence? Non, pas peut-être. Nous n'avons pas assez de moyens peut-être pour le faire peut-être comme l'État. Par moment, peut-être. De quels moyens vous avez besoin? Nous avons besoin de l'accompagnement, peut-être, de l'État. C'est pas seulement peut-être des moyens, peut-être matériels. Quand vous partez peut-être dans un arrondissement, vous demandez l'autorisation peut-être au sous-préfet que vous allez organiser peut-être votre réunion. Pour obtenir peut-être cette autorisation, il y a des parties peut-être qui sont malsaines. Qu'est-ce que vous voulez peut-être qu'on fasse? On est obligé peut-être de travailler. Nous sommes obligés, de temps à autre, peut-être, nous organisons peut-être. Parce que nous sommes appelés. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va peut-être déplaire peut-être à certaines personnes, mais j'ai comme impression que c'est un fonds de commerce pour certaines administrations. Comment ça? Je pèse mes mots. Parce que aujourd'hui, pour obtenir la licence, une licence pour un bar, comment ça se passe en 2 jours? Parfois même moins. Il y a des licences peut-être qui sont déjà signées, mais il n'y a pas de nom, qui attendent seulement peut-être que le client vienne. Et comment est-ce qu'on l'obtient? Mais on l'obtient, c'est-à-dire que vous venez, vous partez peut-être voir dans une sous-préfecture, vous dites que vous voulez peut-être une licence, on vous donne le montant et vous payez peut-être ce montant, on vous donne votre papier. Généralement, c'est combien? Puisque vous semblez maîtriser votre sujet. Je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est en fonction des catégories. C'est en fonction des catégories. Vous allez trouver peut-être que je suis cru, mais c'est la vérité. Il est même impensable qu'un sous-préfet délivre des autorisations qui vont jusqu'à minuit. À minuit, en fait, c'est réservé peut-être au ministère peut-être du tourisme. Il y a même des sous-préfets qui donnent des autorisations peut-être qui vont même au-delà de minuit. Et pourtant, en principe, les autorisations, ça doit être pour des ventes emportées. Mais aujourd'hui, je vous apporte. Oui, pourquoi pas? Je suis président, n'est-ce pas, du syndicat national des exploitants des puits de poissons. Je crois en ces secteurs. Mais est-ce que vous ne faites pas plutôt l'autruche? C'est-à-dire qu'on vous demande pas la politique. Non, de vous conformer, d'arrêter d'exploiter les débits de boissons jusqu'à peut-être 22 heures et vous pointez du toi, l'autorité administrative. Mais est-ce que vous savez que...
qu'est-ce que vous vous engagez à faire d'abord? Non, nous nous engageons. Ça, c'est une obligation peut-être pour nous. Oui. Nous devons continuer à sensibiliser peut-être nos membres pour le respect, le style de respect peut-être à la réglementation en vigueur. Mm. Ça, c'est une obligation. Si aujourd'hui, peut-être, nous nous retrouvons dans cette situation, ça veut dire que quelque part, nous-mêmes, nous avons fauté. Oui. Oui, nous acceptons. Nous reconnaissons peut-être que, à cause des limites peut-être de nos moyens, nous n'avons pas atteint peut-être les objectifs peut-être qui nous avaient été peut-être assignés. Et c'est pour ça que vous allez jusqu'au-delà de l'heure qui vous est. Non, il ne s'agit pas d'aller au-delà. Par moment, on va au-delà peut-être de l'heure, tout simplement peut-être parce qu'il y a certaines personnes, même ces autorités, quand ils arrivent, parfois ils entrent dans votre bar, peut-être avec la famille, ils ont eu des visites. Quand ils arrivent, ils sont peut-être dans le bar, vous devez fermer peut-être à 22h, mais ils sont encore là à 22h. Vous n'avez pas allé dire peut-être à une grande autorité que monsieur, levez-vous, il est déjà 22h pour que je sorte. Quand vous le dites, tu viens me sortir, moi, telle personne, c'est comment ça se passe souvent. Il faut le reconnaître. Réaction. Je vois un peu, n'est-ce pas, la difficulté de fonctionnement, mais je crois qu'il faut relativiser les choses. Ça, c'est du simplisme à outrance. Pourquoi? Parce que les sous-préfets, qui sont les autorités administratives, de qui vous dépendez directement, ils ont la compétence, n'est-ce pas, de la salubrité publique et, n'est-ce pas, du désordre ou de l'ordre dans tous les cas. Donc, et ils sont, c'est eux qui vous délivrent, n'est-ce pas, un certain nombre d'autorisations. Je crois que lorsque vous organisez une rencontre, vous organisez une réunion, c'est simple, vous vous rapprochez, n'est-ce pas, de cette hiérarchie administrative qui va certainement vous faciliter, n'est-ce pas, les rencontres et qui mettra peut-être à votre disposition un cadre pour davantage, n'est-ce pas, expliquer à un groupe, n'est-ce pas, dans un arrondissement, quels sont les intérêts que tout le monde a à vivre, n'est-ce pas, dans la paix et l'harmonie. À quel prix? Je crois que ce sont des services qui dépendent d'eux. Oui. Ce sont des services qui dépendent d'eux. Donc, ils ont, n'est-ce pas, l'obligation, n'est-ce pas, de vous expliquer un certain nombre de choses. L'occasion pour nous de clore ce chapitre, peut-être avec des propositions. Lui, des propositions, c'est ce que je dis. Il est le président, n'est-ce pas, des syndicats des responsables des débits de boissons. Dans tout le Cameroun, c'est une très grande responsabilité. Je crois qu'il faut davantage étoffer votre équipe avec les services juridiques. Il faut davantage vous rapprocher de l'administration qui est là pour veiller sur vous et sur votre bien, parce que c'est le travail de l'autorité administrative, veiller sur les biens, sur les personnes. Parce que tout le monde aimerait, n'est-ce pas, être dans une société où il y a la prospérité, où il y a la sécurité. Donc, ne vous mettez pas en méfiance ou en défiance avec les autorités. Mettez-vous plutôt à leur disposition. Ça va vous faciliter beaucoup de choses. Si vous le voulez bien, vous pouvez toujours, n'est-ce pas, nous faire signe. Nous allons également vous aider en ce sens-là, en multipliant. À être des interlocuteurs des autorités, c'est ça pour administratives. On a aussi envie de s'interroger sur la part jouée par les communes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation. On a envie de s'interroger. Que font les communes? Je vais, n'est-ce pas, aussi, pour répondre à votre question, cette responsabilité aujourd'hui, qui paraît peut-être simple au départ, est à la fin très compliquée. Pourquoi? Parce que quand le préfet, de bonne foi, décide de convoquer peut-être une réunion, c'est parce qu'il a constaté que sur le terrain, peut-être, des gens, il y a des excès. Ça, je suis d'accord avec lui. Cette initiative, c'est une très bonne initiative. Mais le problème maintenant, au niveau de l'implémentation, n'est-ce pas, peut-être, des décisions peut-être qui ont été prises, c'est-à-dire le contrôle de ceux qui respectent la réglementation en vigueur ou de ceux qui ne respectent pas, c'est là où le problème va se poser. Parce que quand ceux qui sont chargés, ce n'est pas le préfet qui va descendre sur le terrain, mais ceux-là même qui sont chargés de descendre sur le terrain, faire ces contrôles, lui, c'est en fonction peut-être de ses intérêts personnels. C'est là où le bas blesse. C'est pourquoi peut-être nous aurons préféré qu'il y ait plutôt des comités mis sur pied par arrondissement, avec, n'est-ce pas, l'apport peut-être des associations, peut-être même des consommateurs, des représentants peut-être des syndicats, n'est-ce pas, pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Mais vous allez voir aujourd'hui, n'oubliez pas, posez-vous la question de l'opportunité même peut-être d'une rencontre comme celle d'aujourd'hui. Pourquoi à la veille comme elle disait tantôt, pourquoi à la veille, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire? Ceux-là vont interpréter ça d'une autre façon. Peut-être pour assainir le cadre dans lequel les enfants... Oui, mais on l'aurait fait peut-être au début des vacances. Oui, on aurait pris d'abord le temps peut-être pour assainir.
Ce que nous déplorons seulement, peut-être sur la rencontre d'aujourd'hui, c'est que nous avons demandé qu'on nous donne un peu de temps, le temps peut-être pour sensibiliser. Mmh. Parce que nous reconnaissons que peut-être nous ne faisons pas entièrement peut-être notre travail. On doit sensibiliser nos membres. Et même, nous devons être même prêts à doigter certains de nos membres qui ne veulent pas respecter la réglementation en vigueur. Mmh. Parce que ce sont eux peut-être qui nous salissent. Oui, c'est ça le problème. Chose, oui. Pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, allant dans le sens toujours de l'assainissement, lorsque vous commencez, lorsque l'école commence comme ça, il faut que à l'école, aux approches, aux alentours de l'école, qu'on évite, n'est-ce pas, d'avoir des débits de boissons qui font, n'est-ce pas, ces pollutions sonores. Parce que ça, c'est ça qui peut, n'est-ce pas, perturber les enfants à l'école. Je crois que c'est donc véritablement de manière opportune que le préfet a fait la réunion. C'est pour éviter qu'il y ait ce genre de choses, parce que les débits de boissons aux environs de l'école, autour de l'école, engendrent beaucoup d'autres choses. Vous avez vu. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Des images qui ont traumatisé les Camerounais. Oui. Parce que derrière ça, il y a une sorte de d'activité libidinale. Oui, c'est ça. Je veux aussi arriver là. Parce aujourd'hui, il faut éviter on se comporte comme si c'était le début de boisson qui mettait tout le désordre peut-être dans ce pays. Il y a d'autres activités. Oui. Que l'État, n'est-ce pas, doit aussi être regardant. Réglementé. Il faut qu'ils sont réglementés, mais que l'État ne regarde pas. On finit avec vous, apôtre Paul. Oui, merci. Je voudrais dire une chose. Le bruit, on peut le régulariser pour permettre à ce qu'on ait du bien-être, du bien vivre autour de nous. Et je prends l'exemple au Réveil des Nations. Nous avons des formations que nous faisons. Hein, et d'ailleurs, je tiens à inviter tous ceux qui nous écoutent également à avoir cette opportunité où nous donnons à chacun de vous d'avoir l'opportunité d'apprendre dans le calme, faire des études à partir du Cameroun et être un étudiant canadien au Cameroun. Alors nous disons, le bruit, on peut régulariser le bruit qu'on fait. Et nous voulons également que l'État accompagne les jeunes aujourd'hui qui sont autour de vos communautés. Vous pouvez interpeller un homme de Dieu, l'accompagner, parce que je regarde comment sont construites parfois certaines salles de culte. Le gouvernement a le devoir aujourd'hui d'encadrer ce secteur-là également, en donnant aussi les moyens pour permettre à une salle d'être insonorisée, bien entendu. Donc aujourd'hui, au Cameroun, on a les moyens pour le faire. Ne laissez pas simplement qu'on se retrouve en train d'avoir le bâton sur... Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos contributions respectives. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Malheureusement, le débat a été écourté aujourd'hui à cause des quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes parvenus au terme de ce numéro consacré à la lutte contre les nuisances sonores. Trois mots-clés qui ont été dictés par le préfet du département du Fundi. Stop les nuisances sonores, stop un peu plus d'efforts au niveau de l'hygiène, de la salubrité, un peu plus d'efforts au niveau de la sécurité. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain lorsqu'il sera à 18h35. Demain, la sulfureuse Lille Piétou vous entretiendra dans le cadre de cette émission, le débrief. Mais en attendant, une lumière qui, elle, ne fait pas de bruit, c'est Alain Ghislain Kanga. Dans quelques minutes seulement, il va présenter le grand journal de Canal 2 International, le 19h50. Bonsoir.